Point salut et bienvenue dans ce moment de prière. Avant de parler à notre Père Céleste en prière, veuillez vous abonner et allumer notification pour rejoindre notre prière grandissante. Communauté, partagez également cette prière puissante avec vos amis et votre famille. S'il vous plaît, continuez à méditer sur cela. Prière. Priez-le quotidiennement ou écoutez cette vidéo. Encore et encore. Et permettez à la parole de Dieu et à la puissance d'entrer. Cette prière. Pour atteindre votre esprit ou votre âme. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, Fils du Dieu le plus haut. Je m'allonge à tes pieds aujourd'hui, je viens à toi. Pour tes miracles dans ma vie, Seigneur Jésus. Même si je ne comprends pas toujours mon circonstance. Vous le faites, vous êtes glorifié. Chaque situation et saison, rien n'est trop difficile pour vous. Je reconnais que vous avez le contrôle. Et à cause de ça, je n'ai pas à craindre demain, je choisis. S'asseoir en ta présence et en ton adoration. Chaque fois que mes ennemis prennent de mauvaises décisions contre moi, que ta vérité me délivre selon ta parole, libère toutes les bénédictions qui ont été emprisonnées pour moi, Seigneur. Je marche vers ma grandeur en Jésus-Christ. Fais des signes et des prodiges dans ma vie, toi. Ne décevez jamais vos enfants. Je mets toute ma confiance et mon espoir en toi. Je sais, Seigneur, que de nombreuses épreuves et des tentations peuvent venir à moi. Aide-moi à rester fort et donne-moi la grâce. Résister et surmonter. Pardonne-moi, Seigneur, quand je doute parfois. Toi et tout ce que tu peux faire détruire, tout ce qui sera un obstacle entre moi et mon miracle. Déshonorer chaque personne qui veut mon chute et celui qui ne veut pas me voir prospérer. Tu es mort sur la croix pour mon salut. Alors délivre-moi de tout mal que toutes les déceptions, devenir divin et des rendez-vous profitables dans ma vie. Accorde-moi un nouveau départ. Commence un nouveau dimension des merveilles dans ma vie. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta bonté et des œuvres merveilleuses dans ma vie. Parfait tout ce qui concerne ma vie. Accorde-moi une onction pour un spirituel percé. Oint ma tête d'huile et laisse ma coupe écrasée. Seigneur Jésus, tu as dit que si je demandais, je le ferais recevoir. Si je cherche, je trouverai, et si je frappe la porte, il me sera ouvert. Pour moi, la porte des miracles s'affiche. Ton pouvoir dans ma vie. Remplis-moi de joie en ta présence et avec les plaisirs éternels à ta droite. Main. Récompense-moi avec un miracle rare, selon ma justice et selon la pureté de mon les mains à tes yeux. J'utilise le sang de Jésus pour tout annuler. Retard impie envers mon Seigneur miracle. Hâte ta parole et qu'il y ait un réalisation de vos promesses. Dans ma vie, Marc chapitre 6, les versets 49 à 50 disent cela. Mais quand il le vit marchant sur le lac, ils pensaient qu'il était un fantôme. Ils ont crié parce qu'ils l'ont tous vu et nous étions terrifiés. Immédiatement, il leur a parlé et leur a dit « Prendre, c'est du courage, je n'ai pas peur. Amen, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour toi ? Seigneur, tu as marché sur la mer et tu as élevé le mort. Tu es le même depuis les temps anciens jusqu'à maintenant. Tu es l'ancien des jours et tu le feras. Ne change jamais. Je mets ma confiance et j'espère en toi, toi. Et un Père éternel, lève-toi dans ton pouvoir et laisse tous mes ennemis tomber devant moi. Je profite de toi, Seigneur, pour que tu utilises moi, avoir un impact sur la vie des autres, pour ton royaume. Je t'adore, Seigneur Jésus, pour tes miracles. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu le plus haut, je m'allonge à tes pieds aujourd'hui, je viens à toi. Pour tes miracles dans ma vie, Seigneur Jésus, même si je ne comprends pas toujours mon
circonstance. Tu le fais, tu es glorifié en tout, situation. Et, en saison, rien n'est trop difficile pour toi. Je reconnais que tu as le contrôle, et à cause de ça, je n'ai pas à craindre. Demain, je choisis s'asseoir en ta présence et en ton adoration. Chaque fois que mes ennemis prennent de mauvaises décisions contre moi, que ta vérité me délivre selon ta parole, libère toutes les bénédictions qui ont été emprisonnées pour moi. Seigneur, marche vers ma grandeur en Jésus-Christ. Accomplis des signes et des prodiges dans ma vie. Tu ne décevras jamais tes enfants, je mets toute ma confiance et mon espoir en toi. Je sais, Seigneur, que de nombreuses épreuves et tentations peuvent. Viens vers moi. Aide-moi à rester fort et donne-moi la grâce. Résister et surmonter. Pardonne-moi, Seigneur, quand je doute parfois. Toi et tout ce que tu peux faire détruire, tout ce qui sera un obstacle entre moi et mon miracle. Déshonorer chaque personne qui veut mon chute et celui qui ne veut pas me voir prospérer. Tu es mort sur la croix pour mon salut. Alors délivre-moi de tout mal que toutes les déceptions, devenir divin et des rendez-vous profitables dans ma vie. Accorde-moi un nouveau départ. Commence un nouveau dimension des merveilles dans ma vie. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta bonté et tes merveilleuses œuvres. Ma vie, parfait tout ce qui concerne ma vie. Accorde-moi une onction pour un spirituel percé. Oint ma tête d'huile et laisse ma coupe écrasée. Seigneur Jésus, tu as dit que si je demandais, je le ferais recevoir. Si je cherche, je trouverai, et si je frappe la porte, il me sera ouvert. Pour moi, la porte des miracles s'affiche. Ton pouvoir dans ma vie. Remplis-moi de joie en ta présence et, avec les plaisirs éternels à ta droite, main, récompense-moi avec un miracle rare, selon ma justice et selon la pureté de mon, les mains à tes yeux. J'utilise le sang de Jésus pour tout annuler retard impie envers mon Seigneur miracle. Hâte ta parole et qu'il y ait un réalisation de vos promesses. Dans ma vie, Marc chapitre 6, les versets 49 à 50 disent cela. Mais quand il, je l'ai vu marcher sur le lac, il pensait que c'était un fantôme, il pleurait dehors, parce qu'ils l'ont tous vu et étaient terrifiés. Immédiatement, il leur a parlé et leur a dit, « Prends courage, c'est que je n'ai pas peur. Amen, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour toi ? Seigneur, tu as marché sur la mer et tu as élevé le mort. Tu es le même depuis les temps anciens jusqu'à maintenant. Tu es l'ancien des jours et tu le feras. Ne change jamais. Je mets ma confiance et j'espère en toi, toi. » Et un Père éternel, lève-toi dans ton pouvoir et laisse tous mes ennemis tomber devant moi. Je profite de toi, Seigneur, pour que tu utilises moi pour avoir un impact sur la vie des autres. Pour ton royaume, je t'adore, Seigneur Jésus. Pour tes miracles, au nom de Jésus, je prie. Amen. J'espère que cette prière vous a été utile. Si ça faisait, veuillez le partager avec vos amis et vos proches et abonnez-vous également pour en savoir plus. Prière. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Puissante prière miracle Seigneur Jésus, tous les jours pour les bénédictions.